On live vous Jean-Marc. Live, really? Live là. Really? So on est arrivé. On va rentrer maintenant. Bon. Ça c'est. Donc je vais te dire la porte est ouverte à 16h30. À 16h30 donc. Il est 16h. Il est 16h30 là, oui. 35 même. L'entrée commence déjà. L'entrée commence. Ouais. Donc, ça, t'as pris des cafés rapides, vite fait. Ça, c'est mon. Ça, c'est mon yoga ventré là. Mais écoutez, mais là, on va le faire en dedans. Donc, ça, c'est entré à ça. Donc, je vais arrêter toi, non? I have to go. On va rentrer là. Donc, on entre là. Hein. On va rentrer là. On va nous accueillir là. On a. Oui, on vient ici. Allons faire se faire fouiller. On peut passer par ici? On va le faire fouiller? Oui, c'est monsieur. Faites quoi? Non, non, c'est. Mais on va vous fouiller d'abord? Oui, pas de problème. Non. Ok. C'est comme ça là, pour dégager le sac monsieur. Parce que moi je dis, il faut que je voie le fond du sac. Ah bon? Ça, voilà. Il faut que je voie le fond du sac. Tout ça, on va prendre, passer là-bas. Ça, c'est bon. C'est un microphone, des microphones. Des microphones, voilà. Après, vous allez partir là-bas. Voilà. Ok. Même avec les mêmes mots. Non, on ne peut pas passer, non. On ne peut pas passer là-bas. Vous allez ici, monsieur. Ok. Moi, en face boutique qui viendra pour Haïti. Tu vois la boutique avec le drapeau haïtien. Il y a une boutique là, juste en face de moi. Comment on dit ça en anglais? On nous passe au pain fin? C'est quoi ça en anglais? Ça va demander même. Hein? Je tape fouillé nous. Point. Oui. Alors monsieur, vous allez vers la porte. De quel côté? On vient de passer la porte. C'est là la fosse, c'est ça? Oui. Non, viens, c'est par là, Léon. Viens. Ah, ça a permis pour Berthe. Non, on ne va pas passer. Il faut faire la sortie. Non, il faut vraiment sortir. Vous allez être fermé là. C'est enfermé ici. Ah, ok. Waouh! Souterrain ou bien? Question sécurité ici. Nous connaissons pas qui est enragé. Après tout ça qui passe, donc ici vraiment difficile. Jean-Marie Simon avec là de la télévision. Certainement, c'est haut niveau de sécurité en réalité. Oui, en réalité. Donc, ouais.
pour l'instant, c'est difficile. L'accès que nous souhaitons, c'est prendre les ouvertures. Surtout nous avons des matériels là maintenant. Pas pour la presse, surtout nous avons des équipements naturellement qui pourraient aller faire votre transmission. Donc, pour l'instant, on cherche la bonne entrée. Quoi. Ouais. Donc, ça, on commence avec la rentrée puisque la. Je vais commencer à ouvrir là. Donc, m'écoutez bien la voile faite là. Bon, nous avons une idée de qui j'en sais, donc je commence à faire mon entrée qu'on y a. Donc tout à l'heure, nous allons aller commencer avec Choua, avec la transmission. So, et nous l'amène. Nous étions branchés à midi. J'espère que nous en live à midi. Ça va faire de forme? Yes, yes, yes. Donc à midi, nous avons en. On annonce new look. Zenith. New look au Zenith. Le 27 mai. Linda. Mais Jazoui, new look Zenith 27 mai. Pour compte lui. Bonne information. Hein? C'est l'information qui vient dans la salle nouvelle. Moi. Les Harley par la nuit du compas à Bercy. Monsieur t'ai réservé pour ça. Que le parle fait Zenith pour quoi qu'on y a. Donc, New Look au Zenith pour Call. Donc, c'est l'équipe là qui a organisé. Depuis, vous avez programmé ce que vous avez fait. Donc, New Look au Zenith, mais son façon tout pour bailler en réponse. Je ne sais pas, c'est fait challenge là. Je me dis à la classe qui arrive à Bercy sans passer par le Zenith. Et quand on dit Bercy, Bercy, c'est énorme. Donc, j'ai. Tu as déjà fait Zenith? Non, classe pour faire Zenith. Oui. Ah, classe fait Doc Eiffel. Doc Eiffel, donc tout le monde fait. Ouais. Comment ça va, les mots? Ok, Jean-Marie. On annonce déjà New Look. Et c'est exactement notre dernière partie de réalisation. Il y a pu annoncer New Look. Là. Même hier, dans la conférence de presse, là, il n'y a pas de l'annoncer que pour aller. Que pour aller gagner New Look Zenith là. Hier, on a confiance. Mais maman, parce que c'est peut-être la bonne stratégie. Parce que si monsieur a déjà annoncé la nuit du compas pour octobre, et m'a demandé, monsieur Kounia, par rapport avec ça, au moment de généralement participer à la nuit du compas, il m'a demandé que vous plafond, donc peut-être que le pas je parie avant. Okay. Si New Look Zenith était en mai, dernier, la nuit du dernier... compas en octobre là, est-ce que New Look a plafond encore une fois? Ah, quelle est la plus longue que aille? Ouais. Ah, mon cap campé, mon cap chita, parce que pas entre le même côté. Yeah. Bon, c'est une organisation sérieuse. Oh là 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 là. Donc ça c'est mon cap campé qui va être bien. Bien chita. On a l'organisation. C'est bon. Posez-y. Avant nous. Ouais, qui je nous fais la queue devant. Avant nous. On est live là. Ok. Là, c'est la queue. Voici la queue. Il est 16h. Donc on est obligé de contourner pour rentrer quoi. Oui Jean-Marc, on disait. Bon oui, je dis par exemple, tu vas sortir à Bombal là, tu vas essayer de venir en France depuis quelque temps. Mais l'organisateur du compas exige par exemple que si tu vas jouer avec eux, il faut comment tu vas garder pour 6 à 8 mois que le parc joue sous Paris, donc c'est nécessaire. Ça veut dire que si nous faisons Zenith là, la nuit du compas en octobre, il est possible que nous ne parlions encore. Parce que si même quand tu es au Kembe, il n'y a pas d'accord par exemple que nous venons à Paris dans moins que 4 mois, 2 fois. Donc peut-être qu'il n'y a pas une grosse sensation si tu venir en octobre. Ok. Yeah. Donc il n'y a que d'attendre. Ok. Bon. Mais comme ce n'est pas votre tour, ça veut dire que si malgré ça tout par rapport à ça, nous le commettons en mai, publication internet, voter pour nous là en octobre, donc possiblement nous le calons. Ce que nous avons dit, c'est que les gens qui sont en cours généralement ici à Opapédi, c'est des gens qui font études de marché. Donc soit annoncé New Look au Zenith. Zenith là, c'est 6500 personnes pour fouler. Le Zenith, c'est 6500 personnes.
Mais par rapport. C'est pas trop lourd pour nous look, en réalité par rapport à ça représenter. Oui, mais c'est pas grand pile groupe qui fait l'histoire qu'on parle. C'est deux groupes qui plaisent ouais. Déjà dans l'histoire qu'on parle. C'est Tabou Combo avec Karim seulement plein. Donc ça veut dire pourquoi yo toute l'année d'ailleurs mettez pile groupe ensemble dans Zénith là. Bon côté dans Zénith là tout fermé. Sont 4000 mounes. Sont 3000 mounes. Non, mais moi je pense que New Look pour l'instant c'est seul, c'est peut-être et la résistance là. Mais après, il y a certainement d'autres artistes antillais notamment qui sont capables de rendez-vous avec New Look. Et éventuellement, Michael Guillain, si peut-être. Bon, peut-être. Projet Michael là, pas qu'il est lancé définitivement. Bon, on va voir. On va voir. Donc, selon toi, Jean-Marie, le clou de cette soirée, c'est quoi? Et on a posé la même question à Gaël hier. Apparemment, le clou de cette soirée, c'est l'espace. L'espace qui est mythique, l'espace qui est symbolique, qui a plein d'histoires. Donc, pour moi, c'est peut-être ça. Après, il y a Tabou Combo, classe. Si va essayer de créer la son au même podium, pour moi, c'est carrément énorme. Donc, chaque groupe a un style par eux, a un trait identitaire par eux. On va regarder vraiment qui est ça pour faire la différence aujourd'hui. Et pour le public qui est présent, non, merci. On va voir. Donc, Michael Guillain, tout, c'est une sensation pour la soirée. Non, mais Michael Guillain, Tabou. Vu sa tabou représentée et l'absence de Michael Guillain depuis sa tête sur scène, avec le Tabou Combo, cette machine musicale, ouais. Ça va faire et l'effet escompté. Et on regarde la popularité que tous deux acteurs ont gagné, ni Tabou Combo ni Michael Guillain gagné en France, oui. C'est pas l'énorme. Moi-même, c'est pas l'énorme. Karel, un petit quelques mots. Je me dis là, à Gela, le peuple, what's up, guys? Nous là, il fait bon. Très très bon. Regardez Karel en t-shirt by voilà, Haïti. Voilà, vous représentez Haïti au compte bail là. Ça Haïti est d'ailleurs réalisé en pile, vous représentez Haïti et devant rentrer, on ne va pas être rentré, faut sortir pour regarder. Il ouais. Y a une boutique qui charge drapeau haïtien la donne pour nous même qui est intéressant. Et ça c'est première fois ça fait merci. Dans Aquari, dans même pas le Bercy encore. C'est zone dans Bercy. C'est zone dans le Bercy. Il était connu le Bercy avant. Oui, oui. Mais zone toujours le Bercy. Voilà, voilà. So, c'est ça que nous est et nous définitivement très content là et très content que vous même justement depuis non. Comment on a fait là? J'en ai pas entré. J'espère qu'on était là jusqu'à ce que nous set up pour nous dire que oui, j'en pour faire live là et pour te justement. Et puis tout niveau de sécurité à toi avec tout ça qui passe en France. Regardez, tout à fait. Yo qui t'en fouille là, c'est sûr qu'on a fouillé nous. Nous avons un problème, oui là. On a perdu. Non, mais est-ce qu'on peut faire le tour? C'est bloqué là? Non, on peut passer par là. Mais ça, c'est parking notre scène, non? Là, la partie noire, est-ce que c'est pas là pour nous rentrer? Je ne sais pas moi. Eh bien, nous bloquons, oui là. On peut faire le tour. Voilà, c'est pour me finir, oui, oui, pour me dire. Son spectacle qui est important et vous mettez le spectacle dans le concept, dans le contexte déjà, Jean-Marie Fell. Ouais. Et je crois que j'ai dit à tout à l'heure sur Radio Martinique, là, j'espère que le groupe est à la hauteur de. Ouais. De stage là, de événement et qui ça que lié. Et d'ailleurs, je crois que le succès est surtout capable de bailler ça que vous annoncé en octobre, là, qui sont l'autre nuit du compas. Et puis, regardez, ouais, si dans deux ans, capable de build assez de following et créer une ambiance extraordinaire pour permettre que nous gagnions Stade de France. Et là, pour notre là, monsieur dit pour notre non. C'est juste de à vous sortir. 32? Non, on sort là. Non, ça va faire nous monter en l'air. Oui, on a sorti dans la rue. Nous perdus. Nous pas perdu, la barre est perdue, nous bloqués. Là, il n'y a pas 32, nous besoin de pas 30. Là, c'est pas 30, probablement c'est parti nous. Alors, expliquez-nous dans le téléphone que nous devons les bloquer. Est-ce que nous pas capable de partir nous? Alors, là, viens chercher nous en dedans, parce que là, pas de porte. Il y a porte, nous pas pas entrer dans la rue. Pas de accessibilité déjà. Là, il y a pas de sortir la rue, et oui, mon cœur. Ça, c'est le pont, c'est ici. Et puis ensuite, on sort. On sort. Bon. Bon. Imbécile là, puis tu es retourné. Ouais. Passer devant. Et puis nous passer dans la bonne entrée avant. Il est con, lui. Bon, c'est ça. C'est la galère. Ouais, c'est la galère. Putain. Hey, là, ça, le monde qui salue dans la forme. Et c'est poupa. La boulée. L'autre bail qui est important, c'est que. Qui l'a lié ici, Konya? 11h du matin. Non, 9h. 9-10h. Voilà. Qui t'a annoncé sous chaîne Guy Wewe parce que Guy Wewe peut-être pas parler de ça, il va venir dans le concert. New Look là. Bon, je vais bailler. Pas le bail ça. Non, mais. Moi-même, je suis le premier à parler de ça là. Oh, que t'as parlé de ça of là. Of course. Moi, je ne suis pas ça. Non, non, je ne suis pas ça. Je ne suis pas là longtemps. New Look au Zénith. Le 27. Ali a fait Zénith. Pour contre lui. T'as son gros bail, oui. Pour contre lui, le 27. Non, mais ça me dit, tout le temps dans le New Look, ben si, là. C'est parce que monsieur connaît le bal fait et me connaît formation depuis des mois. Oui, mais monsieur qu'a fait nuit deuxième nuit du compas capable fait là. Non. Il
bloqué. Dis que entre patinoire là, ça même. Le bloqué là. Dis que c'est entre patinoire là, ça c'est si vous allez faut faire ça. 10h48 Haïti. Parce que il est pas possible pour nous là. Ah là là là. Mais c'est quoi le notre, t'as pris de l'entrée, monsieur? Non, il va la pris de l'entrée. Voilà quand on a matériel. Là le bon le troisième fois encore. Waouh! Quand j'ai regardé que ça, je ne vais pas rentrer avec. Waouh, mais c'est énorme la sécurité. Ok, comment on sort dans la rue là, Konya? Ce n'est pas possible. Mon yon dans le jardin là, prend plaisir là, regardez moi. Allez, mon yon dans le zebla là. Couché là, prend plaisir. Non, non, pas de parking, on nous descendre à pied. Ça veut dire là qu'on y a ces marchés, là, marché, ça veut dire. Ça va être si mon cap joué là. J'aime d'abord dire là, je cherche côté pour entrer. Ça fait le bonheur femme. Salut mon nom, vous êtes tout le monde. Mon ami, c'est merci, on est là ensemble avec Guillaume. Tranquille. La joie, beau bagay. Nous avons l'autre monde avec nous là, c'est le monde qui est dans les médias pareil. Nous, c'est haïtien? Oui, salut. Salut. Ils ont réelé. Haïti People Magazine. Mon gars, c'est Haïti People Magazine. Ouais, bien. Bon, ben t'es content, on va faire le job ensemble. Oui. On sera en direct? On sera en direct ce soir sur H-Live. H-Live, c'est la télé haïtienne. Première chaîne haïtienne de France. C'est intéressant ça. Voilà. N'oubliez pas Haïti People Magazine. Vous pouvez regarder sur le Facebook d'Haïti People Magazine. Plein d'émissions sur Haïti, sur les artistes haïtiens, les écrivains haïtiens. La culture haïtienne en général. Plein de choses. La culture haïtienne en général. Alors restez branchés et on vous serait satisfait. Bah, abonnez-vous à Haïti People Magazine sur Facebook. Très bien. Bon, en tout cas, n'oubliez pas de nous suivre aussi sur Facebook, Guiwewe Radio, G-U-Y-W-E-W-E. Bon, vous voulez le faire. Moi, je vais vous suivre. Donc, vous devez me suivre aussi. D'accord. Ok, merci, à tout de suite. Allez. Ça va? En forme. Mais tu te présentes là? Eh bien, moi, c'est Karl de Naptop TV. Mm-hmm. Web TV haïtienne basée à Paris. On existe depuis 4 ans maintenant et on essaye de faire circuler les informations sur la communauté, des choses qui se passent en France, mais aussi des informations haïtiennes. La radio en ligne en France, ça bouge un petit peu, il y a beaucoup de radio en ligne. Bon, il y a beaucoup de radio en ligne, mais nous, on n'est pas vraiment radio, on est plus web TV que radio. On est plus web TV que radio, en fait. Ok, web TV. Bon, c'est en ligne quand même, c'est toujours en ligne. C'est toujours de la diffusion en ligne. Donc on interviewe des artistes, des personnalités haïtiennes pour les mettre en avant et montrer qu'à Paris, la communauté se mobilise, qu'on existe, qu'on fait des choses. Après, c'est pas évident de faire naître quelque chose parce qu'il faut qu'il y ait une émulation derrière. Mais on est confiant, on travaille durement et on espère en tout cas pouvoir être en télé à un certain moment donné. Mais ça fait plaisir et puis on va faire le job ensemble ici là. Eh ben écoute, on est là pour donner la force à toute la communauté et surtout pour présenter le compas dignement. En France. Hein. Dignement, absolument. Merci, allez, bonne chance. Hein. Au plaisir. Allez. Karel, n'a rond là. Ah, la vie, c'est pas même rond. N'a. Et puis, nous allons faire rond, on a fait on sec, on va nous bloquer là. Nous bloquer. Ça qui passe, c'est que, il y a une mauvaise information que nous allons dans bon pote là, ils disent nous allons dans l'autre pote là, l'un vient dans l'autre pote là, l'autre pote là, vous dans l'autre côté. Il y a sens nous connaît que bah là, sans rond. D'abord, c'est tout dans rond et puis, les vins difficiles. Tout le temps, nous sortir à fouiller nous. Voilà. Et puis, le bail qui est important, nous le connaît que la France en général, sous haute surveillance. Ouais. Ça veut dire, dans n'importe quel mall que vous rentrez, dans n'importe quel hôtel que vous rentrez, quel côté qui est public, etc., vous fouillez. Vous connaissez les policiers dans l'hôtel à marcher comme ça? Bien sûr, non, parce que là, comme si c'était go alert. Même machine ne va pas passer devant l'hôtel, devant lobby hôtel. Voilà, devant lobby hôtel. Pas de bail comme parce qu'on est que vous subissez, c'est de l'affaire. Nous subissons, enfin, vous subissez plusieurs attentats, et bien, vous avez très difficile pour vous. Donc, vous obligé vraiment. Bon, mais le journaliste, oui. Après, il y a sauté. Tu es sauté, il y a sauté ou il y a allé ou allé? Il y a un patinoir. Ah ben ok, parfait. Là là. Bon, on va essayer d'entrer là, on va voir. C'est dans cette porte là qu'on doit entrer. Bon.
Ah, c'est soulier. Non, c'est bon. On garde mon yola. Comment nous y est? Hein? Tu te présentes, hein? Bonjour Marina, enchantée, collaboratrice de Karel Ped. Hein? Peace. Et puis Haïti n'a pas réuni, donc je suis venue de Marseille là pour me supporter. Et ouais. Puis c'est comme ça pour nous faire bayo, hein? On va faire le travail ensemble. On va faire le travail ensemble pour me bailler bon service pour tout le monde, à travers le monde, hein? Hein? États-Unis, Haïti. Bon service. Voilà. Dans le langage, quand on dit bon service, bon service. C'est tout la sauf femme qui dit bon service. Ok, d'accord, merci. Là, ouais, on est aussi bon. Parce que l'idée, tu vas aller sur là. Bon, on va voir comment on peut entrer. Bon, on ne s'est pas présenté, on ne s'est pas parlé, quoi. Ça va? MCT Image, le photographe de Haïti People Magazine. Haïti People Magazine, donc. Avec monsieur là, nous allons travailler ensemble. Avec Venise. Venise, ouais. Ok. Ouais. Ça va, je sais pas. Ouais, ça va. Ça va. Ouais, tout doux, ça va. Ah, mais ok. Tranquille. Ouais, cool. Bon. La logique des choses, c'est passé par le parking, il faut tomber sans parking. Moi je fais le tour de personne. Bon. J'étais là déjà. À 15h. C'est grave. On doit faire quoi là? On va monter encore le... On va pas faire le tour, on va sortir par le parking. Ok, bon. Maki? Oui. Là. Qu'est-ce que là? Hein? Un peu d'exercice, ça dérange pas. Bon. Oui, mais déjà de la fatigue avant même qu'on commence à travailler. Vigipirate. Ouais, là, monsieur Diou, dans Vigipirate là. Dans plein. Il n'y a pas même qu'à ouvrir Paris, ça. Côté parking est là. Non, on sort là. Côté mieux qu'à faire skateboard là. Ok. Oui, on disait. Oui, justement, donc c'est ça. Sécurité sous sécurité. États-Unis pas menacé. En fait, peut-être menacé. Pas aussi, mais non. Il n'y a pas anti-gen. Ça y est, il y a plusieurs frontières, ça fait ça. Hein? C'est pas ça, encore le plus proche menace surtout. Oui, le plus proche menace surtout, oui. Et puis il y a plus de monde, quelqu'un plus très dans le pays. Ouais, déjà. Déjà. Il va prendre qu'est-ce qu'il y a très problème, c'est ça. Bah. Et puis surtout, bah, écoutez, il y a une concentration de monde, donc il est difficile. Par exemple, hier, dans l'aéroport Marseille, là, et il y a une valise suspecte que, ouais, il shut down l'aéroport. On a une valise. Voilà, ça veut dire qu'on est 4 décidés. Alors que longtemps, on a pris une valise vide, et puis le virer de là, et puis le créer panique. Là. Ouais. Et me garantis, il y a une caisse qui dépose. C'est là le parking? Tu vas entrer? Bon. Tu es un imbécile là, papa. Déjà comme vous êtes imbécile. C'est bon. On fait une petite promenade là. On fait une petite promenade avec Guillaume Radio à Paris. Oui, bien sûr. Eh ben non, il nous a donné des mauvaises informations, Guillaume. Là, on parle de Fanfan. Ouais, Fanfan Musique qui nous a tués. Surtout, les médias ne peuvent pas rentrer puisque c'est contrôlé. C'est trop contrôlé. Donc, on est dans le parking là maintenant. Si on est centré par la sortie. Des bus géants. Voilà. La sortie c'est ici. Merci mon Dieu. Tu peux pas la défendre. Vous avez vu la fin du tunnel? Et pas finir un peu de bloc. Ma bonne ça. Ça a bon. Ça a bon. Il y a pas la bon, là, la sortie là. Nous arrivons là pratiquement. Nous dehors.
pour aller refouiller nous encore. Et gain encore. C'est le plan Vigipirate, hein. Maintenant, depuis les attentats, il faut qu'ils contrôlent les gens. Oui. On sait jamais, hein. Peut-être que non, ça nous vient de la guerre bombe. Et puis, je connais tout. Depuis qu'on côté, mon oui. Plus de 15 000 personnes qui sont obligées de... d'être vigilants. Exactement, voilà, c'est le mot. Merci. Bon. On est au dehors là maintenant, on va voir. On va rentrer. Bien ouais, t'as de la chance, toi. Quand tu viens à Paris, il fait beau. Moi, je viens toujours quand il fait beau. J'étais au Canada récemment, mais je ne souhaite pas revivre cette expérience. C'était pas. Regarde les petits jeunes même là, toi. Les artistes de créole là. Voici mes créoles là. Là. Même. Ah, c'est bon? Même 10 bouts de courri, même 10 bouts de courri. Non, on est immédiat. On est en direct, Tidjo. Mais où t'es là, ma chérie? Oh, t'es là devant là, Rosa. Mais oui, l'hôtel il est devant. On va aller dans l'hôtel au Valais. Ouais. Voici. Créole là. Créole là. Ça va? Oui, oui. Créole là. Allô, Zami Pam. Tu as qu'on fait là? Tu fais ça? Ah, mais c'est quand on saute là, on rentre. Quand on saute là, on rentre nous-mêmes. Belles amis. Belles amis. Et on va où? On va aller monter là-bas. Et ça? Yeah. S'il te plaît. Yes, sir. Agela. Tout mes diables là, pratiquement. Tout ça qui vient de bonheur là, ensemble, pratiquement. Hey, Créole là, is in the house. Yo là, longtemps. I'm so excited. Ah, c'est bon. Oh, oh non, oh non, oh non, non, oh non, 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 non. Fais pas ça. Je dis non. Je dis non. Sûr, sûr. Je dis pas quoi. Sûr, sûr. Vous êtes sûr, sûr là, bonjour. Sûr, sûr, entre 5. Parce que c'est au moins 4 fois qu'on fait le tour. Là, on vient de faire un marathon. Là, on vient de faire un 3000 mètres. Non, j'ai salon pour la presse. Mais 35, sûr. Un moment. On va se déplacer après l'appel. Là. Bon, enfin. On va aller là-dessous, non? Donc, si c'est l'onde du salon, c'est la porte 35. Ouais, on va aller là-dessous même. Mes collègues de mon club, ils étaient là tout à l'heure. Ils sont rentrés. Ils sont à la porte 35. Et j'ai vu. Est-ce que le bus a une navette, ça fait non? Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Non, ok, ça va pas répondre. Bon. Oui, coupez live vous. Dis-moi, nous avons mis là, nous avons des problèmes. Coupez live là. Dis-moi, nous avons monté descendre là pour rien. Nous vous regardons. Parce que c'est dur pour la monter que nous perdons comme voilà. Ça. Voilà. Nous pas perdre. C'est dur. Nous pas perdre. Ah, pas le tour du monde là. Il y a fait une fête. À Paris, on n'est jamais perdu. On est quoi? Ok, but hey, on a tourné là. Dis-moi, on a tourné. Mais original H n'a qu'à l'aille. Ok, fais un petit interview. Original H, what's up? On est là sur la page qui nous a fait. Ça va? Nous là. On a dit que comment nous y est? En forme? Yes. Greg, est-ce que c'est nous-mêmes qui avons ouvert? Non, mon cher, faut t'as posé une question ça à l'autre monde. Non, mais nous posons l'autre monde. Pour qui ça? Parce que beaucoup. Vous connaissez? Non, parce que je connais, mais vous m'avez posé l'autre monde question ça. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer là pour la chose? Ben, franchement, sérieusement, on a beaucoup travaillé. Je ne vais pas te mentir, c'est pas du freestyle, c'est pas un truc qu'on a fait au hasard. On a vraiment, vraiment, vraiment fait un show millimétré, si je peux me permettre. Ok. Et 45-40 minutes? À peu près, approximativement. Peu près. Ouais. Donc, de toute façon, c'était le temps à partir, donc forcément, on s'est calé sur ça. On a écouté l'organisateur. Donc, on aura 40 à 45 minutes de show d'Original H. Très bien. Vous vivez à Paris, vous comprenez l'ampleur de cette activité et puis l'envergure de ce grand spectacle, de cette salle mythique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Tu sais, à partir du moment où on t'invite à Bercy, tu es dans ta tête, tu dis après Bercy, il reste le Stade de France en termes de place. Ouais, de place, ouais. Donc, tu vois, tu es dans la deuxième plus grande salle de France, donc forcément. Du monde. Donc, espace couvert. Oui, il y a plus de 21 000 places assises. Donc, ouais, c'est un truc sérieux. Donc, on a compris l'ampleur du show. Donc, on s'est préparé en fonction. Ah ben, je dois vous quitter là. On se retrouve tout à l'heure. Merci en coupable. Merci beaucoup de m'avoir interpellé. Et merci beaucoup pour la participation. Allez. À plus tard. Bonne chance. Bye bye. Allez. Yes. Bon, y allez, quittez-moi. On va le courir là. En tout cas, là-bas les Français, même dégage. Aïe, 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 aïe. Ouais, allez, quittez mon porte 32, 35, c'est par là. Bon, si vous avez des questions, je suis disponible.
Et comme je vais dire, si nous voulons poser des questions, nous allons poser des questions. Et puis tout, je suis prêt pour répondre. Et là, nous cherchons une porte pour nous entrer. C'est difficile parce que la presse n'est pas entrée même côté à tout le monde. Ils sont obligés de faire nous entrer côté à part parce que nous avons des matériels. Il faut que fouiller nous. Donc c'est ça qui est le problème là. So, on va rentrer tout à l'heure. Oh là 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 là, non pas un Freddy, il fait beau là. Là on a droit à être le 15-16 degrés. Donc c'est bon. Oh là 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 là. On est devant là, on va voir. On sait, Ariana Grande. Je vais regarder s'il y a pas affiché concert nous. Il n'y a pas besoin sous là, c'est pour aller. Non, non. Bien. En cas de ça, pas ça c'est côté où on va mettre l'affiche qu'on fait dans le Paris, dans l'hôtel Accor Arena. 25 novembre. Phoenix, bon, pas nous, on l'a déjà. Elton John a vu là le 1er décembre. Corvée, man. Mais d'où fermez pas ça? Je vais fermer, je vais entrer en bas, fermer. Ok. Depuis qu'il y a des gens qui ont gardé, je vais faire. Au chargé pour nous? 445 personnes. Et tout le monde est là. Nous, pour que nous ne connaissions pas que nous sommes venus. C'est pas nous. Oui, vous aussi, je vais faire mon ça. Ok, mais nouveau, non. Espace côté de la fête, là, il est bien aussi. Mais nouveau, nous avons ça, il est Accor Hotel Arena. Donc son groupe Cachetel, c'est nouveau dans le Bali. Mais espace Tarelle Bercy. Ok. Vicky Bombagay, DJ Dodo, en forme, en forme. Moi, ouais, nous là. Donc, on va. Yo! Nous qui t'avons fait tout bien si là. Elle là, nous sortit. Elle là, nous sortit, oui. Elle là, oui, nous descendons même, nous passons devant là pour nous arriver l'autre bord. C'est là où on rentre là? Ouais, c'est là pour rentrer. Oh là 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 là, mais quand on va rentrer là, définitivement. On va rentrer par là. On va rentrer là, ça c'est pour les salons, les loges et les salons. Ça c'est pour les artistes. Nous ne sommes pas entrés dans tout le monde. On est en train de fouiller. Oh, nous parlons. Je ne vais pas faire le live là, non, mais je ne vais pas filmer. Je vais faire comme si je ne vais pas filmer, ok? Nous mettons là. Oh là là. Jeter mes déodorants blancs, bisous. Voilà, on va même quand on rentre avec une bouteille de l'eau, ni avec de liquide. Comme si c'est un avion. Oui, c'est pareil, c'est plus ambigie pirate. C'est parce qu'avec les trucs que toi tu veux faire du feu avec, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il y a un parti de lui. C'est un médicament? Non, il n'y a pas de parfum. Il a un problème dedans. Il est asthmatique. On va appeler le chef alors. On va appeler. Voilà. Il est asthmatique, tu as sa bombe là-bas. Vous pouvez sortir un petit peu, monsieur, le fond de sujet. Ça va? Ouais, ok, à l'intérieur. Ouais, c'est bon, excusez-moi. Ah, pardon. On va. Ah là 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 là. Ouh.
C'est bon, madame, monsieur, allez. Ok. 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 D'accord, eh ben, je te dirige vraiment de la plaine. Demain, c'est la porte 35, c'est les loges et salons. C'est marqué en gros. Attends, il est quel collé? C'est là-bas le métro, c'est ça? Ouais. Bon, le métro vient là. Métro, c'est là. Oui, en fait, tu fais comment? Il vient en face. Ici, regarde la file qu'il a sur sa droite. Ah, voilà, la file de droite, tu sais où on était là, où t'as garé ta moto? Retournez-vous. Eh ben, tu diriges. Tu vois les bus là? Je suis dégoûté. Voilà, tu vois les bus là. Tu vas croire là, toi? Eh ben, tu vas là. Je Hein? On pomme, oui, oui. C'est interdit. Ça que passe, mon boy, ici là. Bon, là, on est dedans. On va essayer d'entrer là. On fait la queue pour récupérer quoi là? Les billets? Non. Pourquoi là? On vérifie si on est sur la liste. Vous avez des billets? On doit y aller. Venez, il est où? Il arrive là. Bon. Et vous voyez, quand on dit sécurité, c'est pas anti-bagaille, c'est un gros bagaille. Donc nous avons que là nous avons un espace côté artiste centré. Ouais, ça m'a dit loin. On go bail comme ça. J'aime rien faire des commentaires ensemble. Yo prévoit côté pour artiste avec nous qui viennent travailler. Donc yo pas contrôler nos spectateurs. Non mais c'est clair, c'est important parce que ça crée, c'est ça. Donc on a dans industrie en réalité, quelque part une segmentation de tout public qui a gagné dedans. Public pas homogène. Donc il y a à la fois médias, il y a monde qui va écrire show yo même, il y a public qui vient assister à des spectateurs yo. Il y a sécurité, donc c'est plusieurs publics. Et puis il y a des bandits, les méchants. Qui sont à l'écart? Oui, Kael, ça veut dire nous pas entrer même contre le public parce que nous avons matériel, nous pas entrer en matériel dans l'espace que le grand public va entrer. Donc c'est surtout avec situation spéciale, ça, c'est énorme ça. Il est énorme. Pour moi, c'est tout que c'est peut-être c'est vrai que les affaires Vigipirate ont augmenté la sécurité, mais dans le temps normal, je suis certain que tu as fait le même type de screening que vous faites là avant. Et malgré tout, c'est parce que nous sommes nous noirs en tout. Donc, malgré tout, nous vigilons. Ça... Non, écoutez. Parce que nous n'avons pas de terroristes. Pas de terroristes. Ouais, mais... Son activité ici, quelque part, au niveau de. Aucun rapport, mon frère. C'est de la sécurité. Aucun rapport, ça veut dire n'importe qui s'est passé là, il est passé sur le territoire français, et n'importe qui s'est passé là, il y a des Français qui sont victimes là-dedans. Donc, c'est important pour eux, c'est sécurité, c'est ça qui est important. C'est nous-mêmes, oui, on tire, par exemple. Oui, mais, par exemple, l'autre jour. Le premier cible qui a frappé, pas nous-mêmes, on tire. Au contraire, il y a besoin d'inspirer, plus compassion. Bon, oui, justement, mais ça m'a fait ça me fait dire, attends, ça veut dire. Les gars sont des gars, besoin fait. Non. Donc, la fête des gars sont des gars. L'image du territoire français, voilà. Ils ont pas de bagages. Mais justement, mais le fait aussi que, par exemple, on a regardé les gens qui sont en sécurité, les gens qui travaillent, espace, ça, son espace français, tu vois. Et puis, l'autre bagage qui est important, tout, c'est que le. Ça fait toujours dire ça. Ouais, l'État haïtien doit reconnaître les gens qui sont haïtiens de tous côtés. Il faut le chercher qu'on est. Un exemple simple. Bon, bah, mon gros ami, qui est canadien, qui a vécu à Marseille. Bon événement qui passait dans l'aéroport de Paris dernièrement, l'ambassade l'a écrit pour dire mes informations, si vous avez besoin de checker des gens, mais qui vont vous faire, etc. Alors que vous avez des nouvelles qui passent tout partout dans le monde, il y a des Haïtiens là-dedans, et puis nous-mêmes nous avons dit là. Nous pensons que l'État haïtien doit chercher contre les Haïtiens, comment que l'on fait. Donc, comme un nouveau cabinet ministériel, naturellement, Karel, ministère haïtien qui vit à l'étranger, tu as supposé peut-être pencher sur ça. Oui, Karel, ministère haïtien qui vit à l'étranger, tu as supposé peut-être. Haïtien qui vit à l'étranger, faut que nous avons moyen, faut que tout le monde enregistre pour dire qui est côté. Mais même si résident côté, mais dès que tu passeport haïtien, l'État doué contre qui côté. Si vous avez notre passeport et puis vous avez dit que c'est haïtien, il y a un problème. Non, mais dès que vous avez un passeport haïtien, c'est très important pour vous. Même avec une pomme. On monte pas de carrière là. Non, c'est comme si tu as monté en avion. Même. Non, quand on a un pompon en avion. Mais m'imaginez un peu le monde qui a monté en pompon. Quand on a un pompon, bon, depuis que je passe le gate là, on a passé à. M'imagine Karel et Guiwewe que en plus mon cap suivre live là, il y a des son blague bien à faire parce que l'État ici c'est pas le contrôle nous même dans le pays là, voir là contrôle nous dehors. Ouais.
partagez ce live, on est déjà là, on est en train de pénétrer la salle, la patronne de la salle, partagez le live là pour plus de monde. Donc ça c'est Confrères Média, New York qui l'a cap checké. C'est la attition entrée, c'est la attition entrée, c'est la m'a dit média entrée. Crew member. Ouais. Ok, c'est ça. On peut le dire ainsi, n'est-ce pas? Apparemment, ça va? Je suis posé trop loin. Un petit mot? Vous êtes qui? Bonjour tout le monde. Vous êtes qui? Claudine. Claude Martini. Tu es venue pour participer. Pour, voilà. Comme spectateur, bien comme média. Les deux. Vous êtes quel média? Je vais proposer la radio Unitinet Radio. Ah, Unitinet Radio. Mais je connais Christian Dor, c'est mon ami. Voilà. Ah, mais on va faire le travail, quoi. Voilà, on va faire le travail. Merci. On va un peu tout le monde. Fan de quel groupe? Fan de quel groupe? J'aime tous les groupes, mais bon, principalement T-Vice. Voilà. Pourquoi pas Tabou? Ah oh oui, Tabou, c'est une légende. Pourquoi pas Classe? C'est une légende. Classe, oui, j'aime bien. J'aime tous les groupes. Bon, c'est vrai que j'ai une préférence. Bah oui, comme tout le monde. Bah bien sûr. Moi, elle va être journaliste pour tous les groupes, fan de T-Vice. Voilà. Voilà. Pour les fans de T-Vice, voilà. Je prends les infos pour les fans de T-Vice. Fans de T-Vice. Voilà. Ah ben ça a été un plaisir. Voilà. Allez. À bientôt. À bientôt. Très bien. Bon, ça se passe. Et toi, bien. Guy, c'est fan de quel groupe? Bon, comme elle, je suis. Non, je suis fan ouais, de. Voilà. Et quel groupe toi? Non, moi, j'aime tous les groupes. Ouais. J'aime le compas. Oui. C'est j'aime aucun ça. Groupe, mais j'aime le compas. Tu aimes le compas? Tu as quand même une préférence? Non. Arrête. Non. Mais si, dis-moi. Non. Dis-le-moi. Dans le temps, oui, avant d'être animateur, oui, mais maintenant. Ah, non. Ben c'était quoi? Je ne le sens pas. Dans le temps, c'était quoi alors? Non. Comment? Dans le temps, c'était quoi? Dans le temps, c'était T-Vice. Ah, bah ben, tu vois, donc ça reste T-Vice. Dans le temps? Oui, mais ça reste T-Vice. Ouais. Toi, tu es fan de quel groupe, toi? De tous les groupes. Je suis fan d'Haïti, je suis haïtienne, c'est dans mon sang, c'est tout. C'est tout. Voilà. Tu es venu travailler pour. Tu es venu travailler ou tu es venu. Je suis venu accompagner Karel parce que pour compter devant 15 000 mounes, il y a fort besoin de s'y aider. Pourquoi j'aime ma gosse à fond Karel? Mec au fond. Ouais. Mec au tête là. Oui. En plus de cerveau dans ça là. Hein? Cheveux soi. Tête graine. Donc dans ça, il a été pour vous dire, pas vrai? Exactement. Oui, c'est pas ça? Zimba trip là, n'a pas de raison pour deux. Vous pensez que Zimba a fait la blague, n'a pas de plus découragé? Non, Zimba a fait la blague, montrez déjà. Comment t'as montré là? On n'a pas connu. 696 mounes. Qui est arrivé 1000? Non, mon n'y a pas monté, pas de quoi ça. A quelqu'un qui est au fond? Bien fond, quand même. Bidosé from Gigo. Bidosé où? Eh ben, Nem. Car elle semble fatigué. Car elle pas fatigué. Décalage horaire, vous comprenez? Prenez Jean Bayoye. Je suis super fatigué. On va dormir ce soir? Il dort. Vous dormez? Bon. Et tout le monde là, pratiquement, Karel, pour le concert là, pas de monde qui absent. Bayoye, mais j'aime passer là, parce que j'aime passer là, Admiraltia, parce que le week-end prochain, je suis dans Admiraltia. Ma bonne nouvelle. Apparemment, si quelqu'un qui va un nom là, maintenant nous sommes dans ce côté là. Pas de nom du tout là. Il n'y a pas de liste. Qu'est-ce que Fofo a dit? Fofo, rien. Il a dit qu'il faut voir avec Berlin. Parce qu'il faut voir avec Berlin. Ah là. Oh, Jean-Marie, nous prenons là. Il n'y a que des groupes qui ont fait la balance. Oh, un monde qui vient garder après entrer? Non, monde pas entrer. Yo fouiller tout le monde, yo font on ligne dedans. Donc je suppose peut-être ouvrir parce que pas faire monde entrer pendant son en fait. So. Je suppose peut-être ouvrir sur tout à l'heure mais média en gros là. Je regarde vraiment mon top c'est bon, moi mon I love you too. Bon, I love you too. Fameux Kigo, oui. Oui, monsieur. Aïe. C'est bien, Kigo. Oui, c'est du bon travail. Bravo. Merci beaucoup. Merci. On doit aller dans la retraite? Non, je ne vais plus. Non, I'm sorry. Non. I'm sorry. I'm not going there. Côté de cette ligne là. Côté de l'heure. Non, là, je vais m'entrer. Ah, il a m'entrer. Et pas devant là? Non, derrière là. Voilà. Oui. Je ne peux pas rentrer jusqu'à présent, man. So, média.
Oh, longtemps, oui. Ça va commencer à se voir. Non, non, pas avec toi, non, pas avec toi. Parce que là, marcher trop. Marcher trop. Bien, man. Je ne sais pas. Marcher là, on va comprendre. Non, c'est sérieux, man. Pas champion. Yeah, man, ça va pas bon, man. Quand elle pense que c'est Haïti, il est là. Regardez, je vais te faire. Qui m'explique, non, man? Pour nous comprendre. Ok, nous, elle est un organisateur. Qui dit nous que c'est l'entrée principale là pour nous passer. Nous descendons là, nous descendons là, nous descendons. Nous faisons 90 degrés. So, nous allons l'autre bord. L'arrivée de l'autre bord, je me dis non, c'est n'importe 30 pour nous passer. Alors que l'entrée dans la machine, nous toujours nous n'importe 30, nous descendons l'entrée principale. Pas un pièce problème. Nous faisons le tour. Nous arrivons. Voici Gaël là. Nous, voilà, Megaël. Megaël. Nous arrivons. Voici nous, le boss. Nous allons voir le boss. Le boss des boss. Le voici. Voilà. Voici, c'est lui qui organise tout. Celui qui est derrière tout ça. Les médias se portent vraiment officiel. Hier, dans la conférence de presse, je vous ai dit porte 30. On a été là. Le type a dit qu'il n'arrête pas de dire. Ouais, mais c'est parce que les médias, c'est à partir de 18h. Je l'ai dit aussi en conférence de presse. Wow. J'ai dit, l'accès des médias, c'est 18h. On pourra pas rentrer. Bon, c'est géré. Bernard est en train de gérer, va vous faire passer. Ok. Vous allez en porte 30, c'est géré. Ok. T'es à 30, on t'a dit non, 35. Non, c'est, la personne s'est trompée, comme il ne savait pas. D'accord. Lui, il est pas venu en conférence de presse, le gars de sécu. J'aurais dû venir d'ailleurs. Mais non, c'est porte 30 carré. Sans problème, tu es. Merci pas à vous. Ok frère. Ok. Merci à vous. Porte 30. Porte 30. On sort encore. Bon, on vient du boss. Non, qui doit aller fumer quelque chose dans l'œil, vous voulez me faire. Et où t'as pris du ya? Dans chaque porte, là, il y a fouillé nous même gens. Et ça qui pide du ya. Ok, et va ça qui pide du ya. Pide du ya, c'est marché viré ou moi. Oui. Pour nous comprendre, l'un qui fait l'autre bois, pour nous qui dit nous, porte 30 c'est à droite. Alors que si nous faisons ça, nous devons plus vite. Rapide. Si nous faisons à droite, nous devons bloquer tout le monde. Où est-ce que nous devons bloquer? Donc l'un qui fait bloquer, nous devons dans porte 30 finalement. Ok, et qui ça veut dire? Porte 35, salon et loge. Nous devons là, et c'est même l'objet là. Si mal! Qui problème où? Fais m'entrer non. Je veux pas rentrer là, je suis avec toi là, boss. Yeah, mais Jean-François. Et puis nous fait tout stupide. Jean-François Saint-Louis de. Oui. On va voir. Oui. Vous avez Karel en Haïti, il y a Jean-François Saint-Louis à Paris. Yeah. C'est fini. C'est de l'équivalent. C'est fini. Ouais, c'est pareil. Non, ça crie, mais non. On nous fait chier là. Ah bon? Bon, on va rentrer. C'est la porte 30. On tourne depuis une heure de temps. Mais non, la porte 30, elle est là. Mais je sais, on a été à la porte 30. Et vous avez dit non? Non, bien sûr. Les gars, sont lieux. Les voilà. Gars, depuis là avec Jean. Non, tout se passe en direct. Depuis là avec Jean-François, moi, je crois. Parce que si Jean-François pas qu'à rentrer, je ne peux pas rentrer. C'est l'animateur, le présentateur de la soirée. Non, mais c'est cool. Mais je vais vous. Il faudrait. Alors, je vous dis, c'est important. C'est très important ce que je veux dire. On peut passer en direct. Oui, on est en direct. Je voudrais souhaiter que vous me donniez tous vos noms parce que je souhaiterais que tout le monde monte. À un moment donné, je pense que je vais appeler tout le monde. Sur le stand. Oui, donc j'aimerais que tu me donnes les noms. Tu gères ça pour moi, Karel, de toute l'équipe, tous les médias qui ont fait le déplacement et que je vous appelle. C'est quand même important que vous veniez. Avec plaisir, c'est important. Je suis dans cette optique, le partage. J'ai pas de problème avec ça. Bien sûr. Yo, toujours. Tu as du gros matos comme ça, Venise. Wouah. Ma chérie, on n'a pas ça. People Magazine, là. Je vois, il y a comme, allez-vous. Tu as vu ça, Karel? Karel, on peut te gober, ça. Karel, mon animateur préféré. Karel, c'est l'animateur le plus... Je suis fan. Karel, c'est l'animateur le plus populaire. Bon, ça va là, donc... Oui, Karel. Bon, plus ou moins posé là, puisque Gaël. Gaël, dis-nous Berlin à ton. Ça veut dire, si mon team arrive dans notre traite là. Nous m'en plaqué comme matin, faire vos ambulances une fois. Parce que m'avait disposé. Ouais. Je vais te donner les noms là. Voilà. Les gens qui viennent d'Haïti là. Ouais. Sans problème. La porte 30, elle est là. On nous a dit, c'est pas là. Ouais, la porte 30 est là. Donc, vous avez vos passeports. Comme c'est Gaël qui a fait le programme. On n'a pas encore. Hein? Et Gaël, Berlin va nous faire rentrer. Et Gaël, dis-moi. On fait Gaël là, moi-même, je prends la caméra. Je vous demande de partager cela avec vous pour qu'il y ait beaucoup plus de monde. Partagez.
Donc tu mettras une soirée paradin comme Jean-Marie. Ouais, ouais, ouais. Cher. Stop sharing. Sharing. Stop sharing. Ah bah on fait maintenant. Je t'ai amené ça, est-ce que tu connais? Le truc qu'on appelle Tiradec. Bon, Jean-Marie là, on est à 773 personnes, les gens arrivent. Ah oui, ils arrivent. Ça fait un progresser de toute façon, que ça sera commencé. On parle, après on a parlé français et puis Mounio majoritairement. Oui, posez. Posez, man, posez. Bon, Mounio qui t'en suivent, toute mise en basse, on va voir un spectacle. Il n'y a pas pour ça de deviner, non? By the way. Non, nous avons mégabytes. Nous avons mégabytes. Nous avons mégabytes. Nous avons mégabytes en euros. Nous avons mégabytes. Nous avons mégabytes. Mes bagailles. Nous avons mes bagailles. La porte 32, c'est là. On va rentrer là. Non, non, il y a 30 nous parler. Et quand on était à l'heure, Ribaudet. Est vrai? Et quand on est là, dit nous ne pouvons pas l'histoire. Shit, man. Quand on est là, on est là. Oui. D'accord. Ah, il dit qu'on est en train de parking là. Oui, et puis on n'a pas rentré dans la porte 30 là. Oh là 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 là. Côté original, achetez-vous, c'est l'an de l'entrée. Ah, c'est l'an de l'entrée. Zotte qui a fait nous galérer. Heureusement, Zotte qui a fait nous chier. Attendez, heureusement, fait bon. Heureusement, c'est fait frais. S'il te fait frais. On n'a pas la carte, on n'a pas regardé le live, non, mais Guy, oui. À l'aise. On m'a peut-être dit quelque chose. On presse déjà. Ou d'accord? À l'aise. Et là? Et c'est encore bloqué? Ah, petite! C'est Paris, c'est pas ça. Hein? Non. Non, mais autres cafés nous galérer là. Oh, Jesse! Qu'est-ce qu'on dit là maintenant? Johnny Jesse, c'est lui, cool! Johnny Jesse, ouh! Salut! Toujours! Wow! What's up, man? En forme, posé. Ça va faire un direct là? Ça va, en forme. Ici, c'est Paris. Hein. On parle français, quoi? Bien sûr. Et je n'ai pas la Joel Surette. Hein. Ça va faire tout d'enfant. Enfant. Oula, mais oula, vous devez être oula, vous l'autre bagaille, même. Nous devons vous les blancs. Tout devant vous les blancs. Devant vous les blancs. Vous pouvez vous les blancs. Vous l'autre blanc. Et ça va, on est là. On espère que ce sera super ce soir. Ouais. À Bercy. Ouais, c'est pour la première fois. Je m'occupe de vous. Bercy. Ah, écoute. J'avais oublié, je suis avec la France. La France, c'est un peu chez moi là. Hein. Ton deuxième chez toi? Ouais, disons les États-Unis sont le deuxième de chez moi, si tu veux. Ouais. Et puis ici, ouais, bon, c'est pas la première fois. Ouais. Ça fait la troisième fois que je suis. En fait, j'étais là lorsqu'il y avait Creola. Ouais, Creola, mm-hmm. Pour la nuit de première. Évidemment. Et puis, une fois, j'étais là pour Booba, qui est un grand rappeur français. On va rentrer où là? Tu rentres pas toi? Non, j'attends mon bracelet. Et puis ce soir, c'est la nuit du compas. C'est super. Va voir, t'as pour combo. Écoute, t'as voir, t'as pour combo sur. Sur la scène du Bercy, c'est légendaire. C'est exceptionnel. C'est pour la première fois, on ne sait pas pourquoi on va faire le Bercy. C'est pour la première fois, ouais, c'est la première fois. Ouais, j'avais Choubou qui a été invité lors des 20 ans de Kassav en 99, mais pas Tabou Combo. Yeah. Donc Tabou Combo, c'est pour la première fois. En plus, avec Michael Guérin, qui s'est fait absenter sur scène pendant un certain temps. Donc il y a une grande envie de revoir Michael sur scène avec un Tabou Combo qui a déjà un public ici. Ça va être énorme. Eh bien, ouais, ce sera du lot. Écoute, l'idée, c'est quand même qu'on voit sur scène des groupes haïtiens qui fasse le spectacle. Ouais. J'espère, franchement. Tu sais, c'est pour ça que je suis ici. C'est pas que l'envie de voir Tabou Combo, Creola, ou Tivas, écoute, ces gars, je les ai vus des tonnes de fois sur scène. Mais alors, lorsqu'on parle de Bercy, Bercy, c'est une scène mythique ici. Okay, il faut que les gens comprennent ça. C'est pas n'importe où. Non. C'est Bercy. Ouais. Tu as l'Olympia ici, tu as Bercy, tu as Zénith. Lorsque tu fais ces scènes, tu fais de grandes scènes internationales. Scène mythique. Évidemment. Bercy, c'est 15-20 000 personnes. Donc c'est 20 300 personnes. Mais évidemment. Pour les et là, il y a une grande mobilisation de la communauté antillaise ici. Lorsque je parle de la communauté antillaise, je parle des Haïtiens, des Martiniques, des Guadeloupéens, etc. Parce que lorsqu'on dit anti ici, on dit aussi Haïti. Ouais, on vient marcher, nous, lorsqu'on dit Haïti, on pense que Haïti est. Même si on a étudié ça, mais malheureusement, évidemment. On arrive toujours à exclure Haïti. Donc, l'avantage ici, aujourd'hui, il fait un très beau temps. Très beau. Bien. C'est mais vraiment très beau temps. Moi, j'ai mis ça et puis il fait assez chaud quand même. À la fin, bon. Oui, je vais enlever ça. Mais il fait un très beau temps ici. Et puis, il y a beaucoup de gens. Il y a un embouteillage monstre ici à Bercy. Ouais. Et je suis là, je fais un petit peu les parages depuis 3h, 3h de l'après-midi. Bon, on est en France, je dis 15h quoi. Ouais, bien sûr. C'est un truc de ouf, je fais ça depuis 15h, je fais les parages avec un ami. Donc c'est assez cool ici, donc on espère qu'on va avoir un énorme concert ce soir sur la scène de Bercy avec ses groupes. Voilà.
Et Guillaume est là, donc je serai. Tu vas m'engager comme consultant. Hein? Tu vas m'aider. Comme consultant. Ou pas là pour me battre à utiliser. Comme consultant. Comment tu vas passer pour moi, Jesse Campé, pour me battre à faire la vie. C'est son manque de respect, on manque d'irrespect. Donc on va s'amuser, Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, m'espérez. En tout cas, il y a un groupe sur lequel je compte énormément, ça c'est sûr. Le tabou? Ça c'est sûr. Il faut que les gens comprennent. Lorsqu'on parle de spectacle, c'est pas forcément avoir des lever les mains, Ouais. Il y a ce qu'on appelle les accessoires de scène. Je ne sais pas si s'ils ont fait la balance, comme je ne suis pas dans l'équipe des journalistes, etc. Parce que toi, tu étais ici tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont fait la balance? Donc, mais je sais que tabou, c'est comment utiliser le tout, ce qui est lumière, scène, etc. Mais bon, les groupes prennent au sérieux vraiment ce Il y a un autre groupe sur lequel je compte aussi, c'est Kéola. Je ne sais pas pourquoi, mais je compte énormément sur Kéola. Bon, c'est juste c'est une bête de scène, donc il va faire son... Peut-être pas bête de scène, mais c'est quelqu'un qui connaît. Mais il sait comment communiquer, il a un charisme naturel. Oui, bien sûr. Mais je crois qu'un mec comme Tidjou, il va faire j'espère qu'il va faire un malheur sur scène. Moi, je pense qu'avec Classe, c'est une grande première pour Classe, également pour Pipo. C'est vrai, c'est le groupe, mais dans ce genre de spectacle, le charisme, la facilité de communication entre le chanteur et le public, ça compte beaucoup. Moi, il y a aussi ce qu'on appelle la gestion de la scène. Tu sais, la scène, elle est énorme. Énorme. Bien sûr, c'est énorme. Lorsque tu es sur cette scène, il faut savoir comment gérer la scène, tes déplacements. Sinon, tu vas te perdre très facilement. Richika en l'air. Avec tambourineur et puis après deux bassistes, guitaristes, bassistes devant. Donc Pipo devant, mais quel que soit chanteur, pas bien pour ouais batteur. Donc si toi on parle le cas de Classe avec Richie, qui gagne Pipo avec Richie, tu poses une communication entre eux deux. Pour passer c'est Richie qui maestro. Donc là c'est moins parler tant qu'on dit des bagages qui pas rien à voir avec spectacle. Ah bon mon petit moniteur. Richie, il faut éviter ça en plus. Yeah. Donc c'est des consignes préalablement établies qui pral répétant dans la. Donc, pas bien pour vous avez vu aujourd'hui par Richie. Évidemment, dans l'idée, lorsqu'on scène comme ça, c'est capacité, pas comme répéter, comme répéter musique, c'est capacité pour ou gérer scène qui est énorme, contrairement aux petites scènes qu'on parle, ok? Donc là, c'est une grande scène, il faut qu'on ait qui côté pour virer, comment qui je pourrais pour les mounio, qui j'ai pour créer ambiance là, et aussi comment musique monter, de sorte que musique pas tellement longue. Ouais. Tu vois, parce que on parle de tout côté plein bruit, qui va le faire mon petit Jean, you know, lassant. Ouais. Son baronnet, ça fait un coin dans ta bouche. Il n'y a pas de doute dans ma tête que ta bouche va faire un truc de malheur ici. Ouais. Donc, je n'ai pas de doute non plus que je pense que Créole avec Tidjou Zene qui sonne et qui concerne plus ou moins bien et qui fait merci aussi. Je n'ai pas de doute qu'on est pour Tidjou capable de créer des trucs pour capable d'interagir avec nous. Ouais. Ok, maintenant, pour Classe, bon, un peu de doute. Peut-être qu'il a impressionné, tu vois ce que je veux dire. Oui, même parce que c'est eux, même si. Maintenant, non, pour... nous avons toute raison de nous doute, parce que là, si nous avons doute, si nous avons confiance en fonction des faits dans le passé, mais si nous avons doute en fonction des faits aussi. Parce que par exemple, la dernière fois, moi, Pipo sur scène, c'était avec New Look, c'était au Zénith de Paris, c'était une soirée Zénith en New Look Karimi. Karimi, ok, moi j'étais là, c'était pour les 10 ans de Karimi. Donc écoute, Pipo, écoute. C'est un très beau chanteur parce que, écoute, sur scène tu chantes, mais il faut aussi communiquer. Ouais. Il faut créer cette envie chez les gens pour être capable d'interagir ensemble avec eux. Parce que les gens ne viennent pas pour danser couler. Hein. Ouais, bien sûr. Ils viennent pour venir au spectacle. Ouais. C'est Bercy. Moi j'étais nommé à Bouba dernièrement ici, hein, et pour regarder. Yo, écoute, c'est du rap quand même. Rap, j'ai une plus ambiance là. Ouais. Donc, je pense que musicalement, Classe grand pile Zam, non, même. M'passe avec ça, musique qui ont des gens hot tempo. Lorsqu'on groupe d'un coup, lorsqu'on musique d'un coup, en mouille. Tu es capable de faire un rage à la musique. LOL. LOL. Tu es capable de faire un rage. Oui, bien sûr. De façon que tu montes. C'est fait pour ça aussi. Donc, de façon que tu montes. Maintenant, Pipo sont les qui grand de taille. Oui. Donc, ça a son avantage sur scène lorsque tu es grand. Oui. Tu as la capacité de gérer, de remplir la scène avec ta vie. D'être vu. Évidemment, bien sûr. Donc, mon côté sur un pile. Même tout, espoir. Et pas même pas les deux soirs pour toi, c'est une confirmation, c'est un groupe qui a déjà fait 40 ans de scène sur les grandes scènes. Donc pour moi, il n'y a pas de doute que Tabou Combo va juste remplir. Bah, non, mais il faut mentionner la présence de Michael Guirin. Michael Guirin, l'autre. Mais voilà, on met deux scènes. Oui. Qui est un très bon communicateur. Ouais. Et quelqu'un qui communique très bien lorsqu'il arrive. Qui compte public ça au bien. Donc on met Michael Guirin devant. On coupe les gens. La guitare.
Lyonnais là? Oui. That's gonna pour be le tabou combat? That's gonna be hot. That's gonna be fucking hot. Je sais l'Almeus, ce qui bord. Bon. Jean-Claude Jean. Non, ça c'est des légendes en plomb et noir là. Non, par contre, line-up là, tu es sur premier. Non, par contre, mais normalement, tu as supposé original H. Ok. C'est les mêmes qui sont légendes. Oui, oui, non. Mais pas ni logiquement. Mais ce qui est sûr, c'est tabou qui doit fermer. Je sais pas, mais. Bon, c'est le tabou. Logiquement. Ça aurait été mieux. Donc, nous avec Guy Wewe, comment vous avez les radios et télévision? Non, Guy Wewe radio, attendez-moi. Non, parce qu'il y a télévision. Télévision, TVA. So, nous passer à une belle soirée. Ouais. Et ils sont très belles années pour compas. L'on va gagner l'année du compas live. Et puis, dans moins de mois, je suis pas pour compas festa. Oui. Donc, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit qu'en fait, il ira à la conférence. Il a dit que les médias peuvent venir à partir de 18h, ce qu'il a dit tout à l'heure. Bon, en tout cas, merci Dieu, si ça a été un plaisir. Donc, je vais refermer le live parce que là, ça fait plus d'une heure. On est là, on est en train de faire le tour. Côté logistique, ça m'étonne avec les gars de la France. En général, il est à quelle heure là maintenant? C'est bien fait. Il est 10h30. En général, c'est bien fait. En général, regardez-nous. En termes logistiques. Nous passons dans toute porte là, Gaël, vous et nous là, mais pourquoi ça bloque la Karel? Ben nous résumer là. Karel. Il va bloquer nous, non? Il a passé de notre tête. Parce que c'est drôle, parce que Jean-François, lui, il est rentré à. Jean-François est animateur. Il a un bracelet bleu. Les musiciens ont des bracelets jaunes. Et nous autres, on n'a pas de bracelet. Oui, finalement, parce que le même bracelet n'a pas. Voilà le baguette. Ok, bras. Il y a tout, vous savez. Moi. Je n'ai pas les couleurs requises, mais j'en ai. Voilà. Donc, ce qui passe, c'est que Negio, c'est là rentrer la presse. Là. Donc, hier, Gaël dit dans la conférence là, 16h. Quand il dit, c'est 18h. Quand il saute, ouais, nous, il dit que l'idée dit 18h, mais il réglé ça. Sauf que l'un sorti là, on n'est pas encore réglé, même. Quand on a Bell, on a Fanfan, on a Gaël, tout Jean-François qui a essayé de gérer, et Jean-François c'est animateur soirée. Jean-François qui a toute autorité, il a essayé de gérer là, personne ne va pas faire rien. Eh bien, nous pas une belle énergie. Pas ça, mon cher, comme Jean-Sénateur Richet, il a dit c'est bullshit, man. Il n'a pas fait sens, c'est bullshit. Ou pas qu'à venir là et puis. On va nous payer un petit caca en panneau pour notre vie, Si il est arrivé là, je vais parler déjà. Je vais jeter. Malin club. Je vais faire live là pour nous. Pas moi prêter. Il n'a pas fait aucun sens. Mais comme ce n'est pas nous-mêmes seulement dans la situation, il y a l'autre média local qui est dans le problème. Non, c'est Jean posé. Première chaîne haïtienne de France, nous dans situation. Voilà, tu vois, c'est grave. Oui, la pizza là, c'est quoi l'addiction? On paye et vous pouvez partir. On fait comment là? C'est simple. La personne qui a commandé ne vient pas donc. Vous la retrouvez avec. Moi j'ai soif, vous avez plein de bouteilles. Quoi? Et on se retrouve tout à l'heure. Moi, après fermé. On a pour rejoindre nous tout à l'heure pour nous. C'est l'entrée. Donc on n'a pas de toutes les manières, même pas qu'on a qui. Donc on n'a pas entré. Merci tout le monde, c'est ton plaisir. À tout à l'heure. Allez, bye bye.